En politique, le diable se cache dans les détails. Et en parcourant les allées du salon, Alain Rousset a un petit mot pour chaque espèce de la Nouvelle-Aquitaine. Je suis subjugué par l'appartenance. C'est vrai qu'il y a le côté massif du taureau limousin. Et la Salers, c'est une bête magnifique aussi. Les autres, la Bazadaise, la blonde d'Aquitaine, celle de son fief, ne sont pas pour autant oubliées, mais inutile d'en rajouter. Ne me faites pas porter de jugements qui me seraient défavorables et qui ne seraient pas... Non, non. À la pause casse-croûte, les éleveurs vont quand même chercher à tester ses connaissances. C'est l'appartenage. Non, ça j'en suis pas du tout sûr. Il t'a dit oui pour te faire plaisir, mais je suis pas sûr. À l'air, il sait pas ce qu'il mange. Mais si le président de la région se plie au jeu, c'est parce qu'il a un objectif en tête. On arrête quand même dans la limousine comme dans la blonde d'avoir des volumes énormes. La qualité plus que la quantité, les Aquitains l'ont bien compris. On ne court plus après la taille et surtout pas après le poids. Voilà. Et d'ailleurs, pour ces producteurs, la blonde, c'est autre chose que la limousine. C'est une vache qui a un peu plus de rendement carcasse, plus de volume, un peu plus d'élégance, je trouve. Demain, les limousines descendront sur le ring pour le concours général qui se veut, n'en déplaise aux Aquitains, une démonstration d'élégance des meilleurs de la race.